Salut, nous sommes le 26 mois 2020. Aujourd'hui, je vais vous enseigner GPO, c'est-à-dire Group Policy Object. Vous savez, dans Windows Server, si tu mets des politiques en place, par exemple pour empêcher les utilisateurs de ne pas avoir accès à Control Panel, par exemple, ça s'applique sur tous les groupes, sur tous les utilisateurs, sur tous les clients, tout ce qui est dans ce domaine, ça s'applique sur tout le monde sans exception. Alors qu'il se peut que nous avons une société en Europe, et puis une autre société aussi en Afrique qui ont des politiques différentes. C'est-à-dire, ceux de l'Europe, ils veulent empêcher leurs clients de ne pas avoir accès à Control Panel, alors qu'en Afrique, ils n'ont pas besoin de ça. Donc pour ça, nous avons besoin des Group Policy Object pour donner l'indépendance à l'Afrique, par exemple, pour qu'eux aussi n'ont qu'à mettre leur politique à part, qui n'a rien à voir avec ce que l'Europe met en place. Donc pour ça, il faut avoir un OU, que ceux qui sont en Afrique aussi sont dedans, maintenant leur donner leur indépendance. Pour faire ça, c'est très très simple. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, on va aller sur le pratique. Il suffit seulement de venir ici. Group Policy Management. Ici. Domaine. Mon domaine. Donc, si tu passes ici, par défaut, domaine, policy. Toutes les politiques que tu vas mettre en place ici, ça va s'appliquer sur tous ceux qui sont dans ce domaine sans exception. Voilà, moi j'ai déjà créé l'Afrique ici. Tous ceux qui sont en Afrique sont dedans. Donc il suffit seulement de faire clic droit et puis Create a GPO in this domain and link it here. Donc je donne un nom, même Afrique, pour ne pas confondre. OK. OK, voilà. Jusqu'à là, nous avons créé GPO pour l'Afrique. Mais ils ne sont pas indépendants d'abord. Pour rendre ça indépendant, faut pas y voir prendre l'autre en haut. Il faut recliquer encore. C'est-à-dire, il faut bloquer l'héritage. Faut pas y voir prendre l'héritage en haut. Il n'a qu'à être indépendant. Donc voilà, il y a ce signe-là qui vient dessus pour dire que actuellement l'Afrique est indépendante. Lui aussi, il a ses GPO, il a ses policies à part. Donc, si tu viens ici, tout ce que le premier domaine a, l'Afrique aussi a même chose. Voilà, il a computer configuration. S'il veut mettre des politiques en place sur les computers, voilà. S'il veut mettre des politiques en place sur les users, sur les utilisateurs, voilà. Tout est là. S'il veut empêcher, par exemple, ses users de ne pas avoir accès à Control Panel. Donc il vient ici et puis il active ça. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc c'est comme ça un peu GPO, l'explication comme pratique. Donc à bientôt.